Les travaux de ce forum et donc qui seront prêts à l'animer par leur débat. Je voudrais donc dire toute la satisfaction et la joie de tous les membres fondateurs et des membres du bureau de la Fondation d'avoir reçu Son Altesse Royale et d'avoir eu cette séance inaugurale dans la dans les formes qui nous à laquelle que nous lui souhaitions. Je voudrais vous dire que pour ne pas trop gêner aussi bien nos invités que tous ceux qui veulent participer au débat, nous avons pensé qu'au regard du retard qui a été pris dans la tenue de la séance inaugurale, nous avons pensé reporter cette première séance à 14 heures pour vous laisser le temps de vous reposer et de venir donc à 14 heures précises. La première séance commencera jusqu'à 17 heures. La deuxième séance reprendra, enfin les travaux reprendront dans la deuxième séance à 18 heures. Donc de 14 heures à 17 heures, c'est la première séance, de 18 heures au-delà, la deuxième séance. Dans le même lieu, bien entendu. Nous vous remercions et nous nous excusons donc de ce retard. Cependant, pour le lendemain, la troisième séance débutera à 8h30, à 8h30 précise, pour que nous puissions rejoindre le cours prévu de nos travaux. Donc, cet après-midi, 14h, merci beaucoup et à tout à l'heure. Gracias.
gage de notre attitude à la vigilance face aux multiples obstacles qui se dressent sur le chemin de cette pièce que nous devons appeler l'aventure démocratique. Cette vigilance, observée, ne saurait s'exprimer autrement que par le recours à une posture résolument critique, y compris lorsqu'elle porte sur l'idéal démocratique et s'exerce dans des conditions politiques, sociales qui en sont quelque peu éloignées encore. Convenons donc que s'il n'est pas devenu de critiquer la démocratie en régime autoritaire, il arrive que la défense de celle-ci s'opère avec plus de force que dans bien des envolées lyriques, surtout quand l'exercice paraît être déguisé de quelques-unes des illusions complètement entretenues ici et là. N'en déplaise à certains qui, déjà ça là, devinant dans cette attitude quelque chose de prématuré, d'inopportun, voire une caution à porter aux adversaires de la démocratie. Mais qui sont-ils aussi? Ça fait revenir. Qui, dans ce qui prend des avis d'un excès de lucidité et avec un réalisme très froid, en viendra à relever et dans bien des conditions et des situations que les épisodes autoritaires concourent paradoxalement à l'agence de la démocratie. De même, relève-t-il que les démocrates de la dernière heure, qui appellent les démocrates par contenance, sont apparus dans bien des cas des artisans les plus efficaces, dit-il, je le cite, de l'avancement initial de la frontière de la liberté. Un constat de ce genre est pour le moins troublant pour certaines consciences et pour cause. Soit. Pourtant, ce cynisme apparent serait l'apanage des chercheurs exerçant sous des cieux plus cléments devraient donner à réfléchir à cet égard sur l'aspect stratégique de la construction démocratique. C'est à cet exercice que nous pouvons nous inviter à travers leurs travaux qui s'adressent à un public, je suppose, plus large que le sacré droit des scientifiques pour conserver tant les politiques que les citoyens communs. C'est aussi fort que cet esprit, mesdames et messieurs, que nous avons conçu cette rencontre et dans cet esprit aussi que nous sommes inscrits les travaux de l'humanité. Le bienfait de cette démarche qui dit donc procède de la considération que les trois séries de facteurs que j'énoncerai sommairement dans un suivant. Premièrement, premier facteur, l'observation critique. Du tragique de l'histoire de ce siècle fournit un matériau de richesse considérable qui en dit long sur la fragilité d'un pays démocratique et en justifie donc la lecture. Deuxième considération, appelée au progrès de la recherche en ce domaine, qui permet la formulation de critiques de signification nouvelle. Quant à l'ambivalence du phénomène démocratique dans la société occidentale et aux difficultés que sont les ouvertes, son immersion frontale dans la variété des contextes culturels et extra-occidentaux. Enfin, troisième considération, l'effondrement des repères jusque-là sous-tendés à l'intelligibilité du monde semble s'être opéré au profit d'une surévaluation des attentes placées dans la mémoire de la démocratie à l'Est et au Sud. Tendance qui a alimenté quelques confusions autour de cette notion qu'il importe aujourd'hui de mettre à plat. De ce point de vue, la posture critique démystifiante nous paraît extrêmement utile. Reste que le bien de cette approche qui privilégie le questionnement du projet démocratique n'acquiert toute sa signification que l'on place dans le contexte de l'évolution des faits et des idées qui figurent par la référence. Ce contexte est l'un des deux a été marqué par des inflexions majeures, il faut le noter, dans l'appréhension de la question démocratique. J'en retiendrai pour ma part celle qui, dans les années 80, qui est la lumière de la critique du phénomène totalitaire, a donné lieu à une véritable réévaluation. Cette relecture s'est opérée dans le sillage d'auteurs comme Raymond Aron, Alain Touraine, surtout Claude Lefort, et sa particularité réside dans cette mise en scène inédite de ce qu'on pourrait appeler l'ambivalence de l'aventure démocratique, qu'elle révèle dans toute sa nudité pour reprendre l'expression de Claude Lefort. Ambivalence car le totalitarisme qui est la négation de la démocratie, lui est en même temps consubstantiel. En effet, face cachée de la démocratie qui s'avance comme une solution à ce paradoxe, paradoxe rassemblé dans l'idée d'indétermination et d'incertitude d'un projet auquel il prétendra apporter l'âme. Au cœur du schéma de la modernité, l'indétermination.
Thank you.
hasard du programme 2 que je m'exprime en premier. Je voudrais, au nom de tous les invités étrangers de la Fondation, exprimer nos remerciements à l'État de notre reconnaissance. Pour ma part, vous savez, je suis très admirant en ce qui concerne la Maroc, donc je viens en étudiant, ça traverse un peu plus que moi. Et je pense que nous tous, nous sommes encore une fois très reconnaissants à l'opportunité. Problème de sang. Problème de sang.
Cette première distinction, cette première, ce premier aspect.